C'est dans l'auditorium Woodland Road, jusqu'à samedi 28 septembre, le réseau Support pour autistes dans la communauté haïtienne a organisé au Coquemchen Chita Palais avec plus de 100 compatriotes pour parler de sensibiliser de qui ça qui est autiste. Chita Légendé, c'est coordonnatrice du réseau Support pour autistes dans la communauté haïtienne et expliquer les raisons pour quelles organisations ça a soufflé. Je quitte 4 avril 2024 là. L'association Jean-Madame Desjardins-Fell pour sensibiliser la population sur les problèmes. Mesdames et messieurs, je vous demande un gros bravo pour Madame Moustapha Desjardins, lui-même qui est fondateur Asian Community Autism Support Network. Bonsoir à tout le monde. Moi, content de ce que je dis à nous faire déplacement. Nous venons rencontrer HCASN. Je prends un petit moment pour saluer quelqu'un qui est là. Je ne commence pas à dire merci parce que là, M. James Louis. Nous avons tout le pasteur Saint-Hilma qui est là avec nous. Nous avons le docteur Léger. Nous avons le docteur Sangos. Et nous avons le docteur Dorsius. Je dis un gros merci tout avec tout le monde qui vient ici, qui a accepté de venir exposer. Moi, je suis content de ce que nous là. Invité pour prendre parole dans ces circonstances-là, Dr. Lucien Bouze, qui était représenté Haïti Education, avec Dr. Pierre Léger, qui sont pédiatres, qui m'a demandé dans la communauté pour prendre conscience de qui ça autiste et demander à la communauté pour accompagner famille yo même qui a fait face à la situation ça. C'est ma première ancien encore madame Desjardins. Li vinn fait moi que avec tout programme nous faire dans Haïti du action qui j'en fait que nous pas jamais parler de autisme. Parce que l'on parle de conscientisation, c'est pas seulement famille qui gen ti moun qui gen autisme non, c'est toute communauté a qui supposé conscientiser. Et pour qui ça nous dit toute communauté a? Parce que ti moun qui gen autisme la grand monde on leur qui gagne autisme, c'est-à-dire que ou gagne un petit monde qui fait autisme qui vient un grand monde qui fait autisme. Soit regardé dans la société là aux États-Unis, nous gagne plus de 5 millions adultes qui vivent avec. Et si que nous mêmes et 5 millions qui vivent avec là, nous conseille de monde qui dans workforce là qui travaille tout. Parfois ou qu'on voit que ou rete dans en lumière. Et puis, on a klaxonné malgré qu'on n'a pas avancé. Et on ne connaît pas, peut-être que c'est un adulte qui fait autisme, c'est possible. Sommes que c'est une bagaille, le premier bagaille qu'on connaît, que c'est tout le monde, c'est toute communauté qui est supposée conscientiser. Je remercie Madame Desjardins pour le courage de d'abord. L'heure contacté moi pour me parler de autisme, mais hésitez parce que son sujet qui est très vaste, qui a plusieurs aspects là-dedans. D'accord, j'en ai monté dit tantôt, il y a un aspect financier, il y a un aspect social, il y a un aspect médical. Gouvernement ici dépensé pour chaque petit monde qui gagne autisme 1 à 2 millions de dollars pour prendre soin de petit monde ça. On a rappelé, à côté de activités culturelles, ak chant qui te gagne, te kap di nan soirée, plusieurs compatriotes te tout profité exposé pour duo et vann san gen nan kilti haïtien, tankou tablo, ragou, diri ak lalo, depuis Etat New Jersey, Gilbert Meyer pour Ontem Radio TV.